We left Switzerland via the Simplon Pass down to Milano, Bologna. We stay overnight in Rimini. In the morning after, we took the ferry in Ancona for Igoumenitsa in Greece, crossed all the north of Greece, and then we reached the border of Turkey. We stay overnight at the Maria restaurant in Kipi. The morning after, it took us half a day to cross the border to enter Turkey, and in the middle of the afternoon, we were in Istanbul at the Londra camping. Nous avons quitté la Suisse via le col du Simplon, passé par Milan en Bologne, passé la nuit à Rimini. Le lendemain matin, nous avons pris le ferry à Ancona pour Igoumenitsa en Grèce. Ça nous a pris toute la journée pour traverser le nord de la Grèce et le soir nous étions à la frontière avec la Turquie où nous avons passé la nuit au restaurant Maria. Le lendemain, en une demi-journée, nous avons fait les formalités pour rentrer en Turquie et dans l'après-midi, nous étions à Istanbul au Londra Camping. Londra camping in Istanbul was a huge parking where the driver coming from Europe and going to Asia used to stop to meet the colleagues coming from Orient to exchange some information about the road, the formalities, the waiting time on the border, etc. The Londra camping still exists but is just a petrol station now and a karting place. Le Londra camping était le parking où les chauffeurs avaient l'habitude de s'arrêter à Istanbul. Et ceux qui venaient d'Europe rencontraient ceux qui rentraient du Moyen-Orient. Et c'était le meilleur endroit pour échanger des nouvelles, s'informer sur l'état de la route, les attentes aux frontières, etc. Le Londra camping existe toujours, mais c'est uniquement une station-service et une place pour faire du karting. On ne peut plus y parquer le camion. Thank you.
avoir acheté tout le magasin de chemises et maïs, Monsieur Morin va se faire un kebab à Istanbul. Il est le meilleur ami de le vendeur maintenant. Filme ce que tu as acheté. Fais le frit maintenant, à moi. Premier kebab. Sérieux? Ouais. On est malade. Ah, peut-être le troisième pour moi. Et je mange seul en Istanbul. Tout mon kebab, je mange en Istanbul. Bon, tu prends rien? Si, si, mais ça arrive. Là. Non, je dois aller trois. Pourquoi deux pour toi? Parce que moi, c'est un truc de bienvenue. À Istanbul. Like many drivers used to do in the 70s, we also stopped in Istanbul for a full day. And we took the opportunities to visit the old city. We went up to Hagia Sophia, the great Blue Mosque. We visit the bazaar to make some shopping and had a good kebab in the old town. We parked the truck at the Harem Hotel. Comme beaucoup de chauffeurs dans les années 70, nous avons aussi profité d'une journée complète pour visiter Istanbul, la vieille ville. Voir Hagia Sophia, la grande mosquée bleue, faire un petit peu de shopping au bazar et avoir un excellent kebab. Nous avions parqué les camions à l'hôtel Harem sur la partie asiatique de Istanbul. We are inside of Hagia Sophia in Sultanahmet, Istanbul, in this very, very old building. You can see there is a both religion, Christian and Islam, under the same roof. Nous sommes à l'intérieur d'Hagia Sophia. Comme vous pouvez le voir, dans cette bâtisse qui a plus de 1000 ans, les deux religions cohabitent, la religion chrétienne et musulmane. Ne manquez pas de visiter topron.ch pour plus de photos et de films sur l'histoire des transports en direction du Moyen-Orient.